be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Le rôle éventuellement de manager, bien évidemment, voire... ouais. Et puis il peut oublier qu'un jour, enfin, c'est drôle parce qu'à chaque fois on parle du... Je parlais avec un pote qui bosse là-dedans, là, dans RH, on parle des employés en situation de handicap, on parle jamais des entreprises, des chefs d'entreprise en situation de handicap. C'est, alors que, voilà, c'est aussi une question qui se pose. Et bien heureusement, il n'y a pas longtemps, je regardais, parfois, je regarde les réseaux sociaux, il y avait un gars qui avait mis une photo, il disait « Ah, ce connard s'est encore mis sur la place handicapée ». C'était, en fait, c'était une Porsche, une Ferrari, avec un macaron handicapé. Et j'ai envie de dire « Mais c'est toi le connard, on n'a pas le droit d'être handicapé et riche ». Enfin, c'est un peu... pourquoi partir du principe forcément que c'était quelqu'un qui grugeait de ce côté-là, quoi. C'est, Donc là, je suis en train de rajouter de l'oignon. L'oignon nouveau, on en a encore, faut en profiter. Oignons, ail, échalotes, on en met partout. Ça apporte vraiment du goût. Normalement, ça sent des germes, ça, les oignons. Alors, pas les oignons nouveaux, il n'y a pas de germes dans l'oignon nouveau. L'ail. L'ail, on peut. Ça vaut la peine que si vous le cuisez cru, si vous le cuisez. Là, ça va cuire, bouillir. Il n'y a aucun. Après, c'est pas mauvais pour la santé, mais c'est vrai que pour la digestion, parfois, ça peut être un peu compliqué. Il y a un truc qui marche bien, même quand vous devez utiliser de l'ail cru, vous le dégermez et vous l'ébouillantez une minute. D'accord. De telle manière qu'il reste ferme, mais ça enlève un peu de sa puissance et c'est bien plus digeste. Et là, du moment que c'est cuit, c'est digeste. Pardon ? Du moment que c'est cuit, c'est digeste. C'est cuit longtemps, c'est-à-dire que le truc, franchement, il n'y a aucun problème de ce côté-là. J'essaie de faire attention à ça habituellement, mais quand ça boue, ça va cuire pendant au moins plus d'une vingtaine de minutes. Là, on va pouvoir ce qu'on appelle mouiller. Donc c'est du bouillon de volaille. Maintenant j'en aurai suffisamment. Donc, pour l'instant, je ne sale pas et je ne poivre pas. Alors, pourquoi ? Parce que poivrer, il faut le faire à la fin. Parce que le poivre, quand ça chauffe, ça devient piquant et ça perd ses facultés organoleptiques, donc ça manque un peu d'intérêt. Et saler, parce que comme c'est quelque chose qui va réduire et qu'il y a déjà du bouillon de volaille, j'attends que ma préparation soit déjà réduite pour savoir quel est le taux de sel. Si je sale maintenant et qu'il y a la moitié qui s'évapore, après que c'est trop salé, on se retrouve banané. Et nous allons repartir sur notre fond d'artichaut. Voilà, alors là ce qu'on va faire, je vais enlever un peu les petites feuilles, on y reviendra ensuite, mais là, c'est pour pouvoir le prendre plus facilement. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais lui couper la tête. Voilà, pour un bon couteau, je sais. Mais je m'y attendais. Vous me l'aviez même pas dit, mais j'ai oublié de rajouter le laurier et le romarin. Voilà, c'est ce qu'on a flambé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose dans mon artichaut. Donc voici pépère.
la première fois que j'ai tourné les fonds d'artichaut, j'avais participé à une croisière gastronomique où ils faisaient tous les plats typiques de la gastronomie française, dont le fond d'artichaut au foie gras de la mer Brasier. Et on en a fait 350. Je ne savais pas faire avant, je peux vous dire qu'après je savais bien faire. C'était... Allez, on y est presque. C'est que lui qui disait que l'artichaut c'était un vrai plat de pauvre, à la fin il y en avait plus qu'au début du repas. Là je vais débarrasser les côtés donc grossièrement pour commencer. Donc ça c'est un artichaut Camus, on les gros artichauts, on ne fait pas ça avec les petits. Les petits on garde le cœur. Vous avez tourné avec des gros couteaux comme ça tout à l'heure, vous les artichauts? C'est le truc de Non, non, mais les fonds. Ah, c'est le chef qui les a fait? Ouais, c'est le chef. Ah, vous aviez délégué? Ouais, ouais. Si vous voulez, on l'appelle. Hein. Non, c'est vrai. Voilà, donc là, je continue à dégrossir. Alors, ce qui est un peu pénible, c'est que c'est arrondi, et là, pour le coup, je peux pas le couper en deux. Il faut garder le fond entier. C'est bien, ça crée du suspense. Va-t-il se couper? Le fond d'artichaut sera-t-il entier? Et comme vous êtes. Hein. Cool story, hein. Voilà. Ça avance. Alors, je suis pas le plus rapide sur le fond d'artichaut, mais ça vous montre quand même que c'est un petit peu longué. Donc là, l'idée, c'est d'enlever petit à petit, sans trop en enlever. Je ne sors plus. Faut garder que le tendre. Donc on épluche petit à petit. Voilà, là c'est arrivé. C'est chaud. Puissante. Et je continue avec pépère. C'est lui qui m'agace, il y a un petit côté, hein, je ne veux pas partir. Autant vous dire qu'à la carte du resto, il n'y a pas de fond d'artichaut, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà. Là, il faudrait que je ratiboise un peu plus. L'idée, c'est vraiment d'aller sous le fond. J'ai fait le fond du fond d'artichaut. Et ensuite, on va venir gratter. Alors le but c'est de les faire suer. Ce qui
signifie qu'il ne faut pas qu'il y ait de coloration. Ce que je fais, je vais laisser un peu pour qu'elle rentre de l'eau plus rapidement. Je vais les saler tout de suite. Voilà. On va remuer ça gentiment. Pendant ce temps, je vais émincer mes fonds d'artichaut. Alors la différence entre le cœur et le fond d'artichaut, c'est que le cœur, il y a encore le fond avec quelques petites feuilles, alors que le fond, c'est vraiment... Bah ça, c'est le truc de la mer brasier, le fond d'artichaut au foie gras. C'est en fait, c'est le seul truc qui soit bon dans l'artichaut, parce que vraiment, quand c'est que des petites feuilles, c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les émincer. Alors pour pas qu'ils noircissent, on peut les mettre dans de l'eau citronnée, mais également dans de l'eau avec du bicarbonate de sodium, ça marche bien ça. Ah écoutez bien, vous n'aurez pas de petit PPT qui vous dommage. Ouais, je vais émincer mes petits. Vous avez des couteaux vous ou pas? Avec vous? Ouais, ah, vous allez me donner un coup de main comme ça on va gagner du temps sur les massages. Je vais sous-traiter. On voit pas trop gros. Alors, le fait que les bouts soient plus ou moins uniformes, ça n'a d'importance que pour la cuisson, parce qu'après, ce sera mixé. Mais c'est pour ça que parfois, c'est ce que j'explique aux gars sur le ping, ils font des pavés comme ça, des trucs tout petits. Faut essayer d'être régulier, parce que sinon, on aura des temps de cuisson différents, et dans une même préparation, et on va avoir du mal à gérer la qualité du plat. On gagne du temps, on peut les superposer. Donc là, quand ça commence à s'assoupir un peu comme ça, je vous montre. C'est plus raide comme tout à l'heure. C'est que je vais augmenter le feu et je vais déglacer avec du vin rouge. Je sais que vous voulez briquer ou pas avec du vin rouge. Merci beaucoup. Alors, il faut savoir que dans tous les cas, l'alcool va s'évaporer. Alors, je sais pas si c'est un rouge qui est un peu costaud ou pas, mais moi j'aime bien flamber. Je trouve que ça. C'est un meilleur goût ensuite, que ce soit les alcools forts ou le vin. Donc encore une fois, c'est une recette que vous pouvez faire aux enfants, parce qu'il n'y a plus d'alcool après. Tant que ça cuit, on est serein. J'attends que ce soit à ébullition. Alors bien évidemment, après je mets une garniture aromatique, alors, en l'occurrence du romarin et du laurier. On flambe avant de mettre les feuilles, parce que sinon les feuilles, c'est empirique, hein, c'est l'expérience. Oui, c'est exactement. Moi, je suis pas un professionnel au départ, donc j'ai un peu appris sur le tard. Et vous alternez, hein, vous ne laissez pas travailler toute seule. C'est important. Donc là, j'ai pas encore, ça ne bouge pas encore, donc je peux flamber pour le moment. Qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille à la chaîne? Moi, je vous les coupe en long et après, vous faites des cubes. Non, c'est bon. Ça va? Peu m'importe. Enfin, la communication, c'est important. Donc. Alors là, c'est la partie de la cuisine qui est toujours un peu pénible, parce que voilà, on fait de la découpe, c'est moins drôle. Mais j'aime bien faire toute la mise en place justement comme ça avant. Ensuite, on a tous les ingrédients et on peut se lancer par la suite. Voilà. La casserole. Comme il y a besoin de les faire suer, il n'y a pas besoin d'attendre que la casserole soit chaude avant de les mettre. Donc moi, ça m'arrange, ça me permet d'être tranquille. Thank you.
que vous pouvez faire aussi, parce que tout le monde n'a pas forcément l'envie de tourner un artichaut, parce que c'est un peu pénible de tourner un artichaut, je vais vous montrer après comment ça marche, ça prend du temps. Il y a de très bons fonds d'artichaut surgelés. Le surgelé, c'est pas grave, faut juste que le produit qu'on surgèle soit de qualité au départ. Mais alors, quand je dis surgelé, c'est pas grave, je parle du surgelé brut. Les plats tout prêts, je suis pas ultra fan. Voilà. Je vous avais pas mon tas. Vous voyez, c'est pas très. Non, ça va, c'est pas très chaud. Je vais faire mon expérience. Et il en reste encore un peu. Il est balèze celui-là. C'est con, on va se partager en deux. Ils sont frais là. Pardon ? Ah, frais. Ils ont... Vous les avez tournés quand, les artichauts, aujourd'hui, hier ? Oui, aujourd'hui. Ah, donc ils sont frais. Ah, puis c'est du boulot. Hein. Ouais. Ça, je suis très content de ne pas avoir eu à le faire. Voilà. Tourner un artichaut, ça ne me parle pas. Mais je vais vous montrer, on en a entier. J'espère que vous ne demanderiez pas, comme ça j'aurais pas le temps. Là, je suis pris au piège. Dire s'il y a de l'alcool quand même. Hein. Et alors, un truc aussi, pas d'alcool, moins de calories. Hop. Alors, le tournage d'artichaut. Alors un artichaut, il est bien incisé. Déjà, c'est très fibreux le pied, donc en fait, faut pas le couper, faut le tourner comme ça. Ça permet d'enlever justement ces fibres pas très agréables. On va dire que ça c'est fini. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Eh ben super, on peut le mettre là-dedans. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais direct. Voilà. Ça paraît beaucoup de matière grasse, mais il y a beaucoup d'artichauts. Je vous termine l'artichaut après, c'est promis. Non, c'est pas, j'en ai perdu une, c'est pas grave. Donc on écrase comme ça notre bouillie. Ce sera mixé derrière, il n'y a pas à s'embêter. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi au niveau d'adaptation justement sur le métier de cuistot qui n'est pas a priori. Alors, c'est filmé, je vais un peu modérer mes propos, mais c'est que c'est quand même un milieu où il y a qui est constitué de beaucoup d'égotiques et de psychopathes. C'est un peu. Non, mais c'est que c'est parfois un peu brut de décoffrage, donc expliquer la notion de. Justement, performance. Enfin, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas fait d'études de cuisine. Et très sincèrement, maintenant, ça a beaucoup changé. Mais à l'époque où j'étais en âge de faire des études, je pense que ça m'aurait dégoûté. J'aurais arrêté la cuisine. Parce que fallait que ce soit un peu, on va pas dire brutal, mais viril, dirons-nous. Et puis, on partait du principe que pour faire son apprentissage, il fallait en chier. Qui se retrouve encore dans plein d'autres ouais. Métiers. Donc voilà, c'est ce qui a été un peu le plus dur, c'est d'être accepté en fait. Parce que du coup, voilà, moi j'ai pas eu à aller travailler pour quelqu'un d'autre, mais il y a des gars, y compris des cuisiniers lyonnais, ils ont mis 5 ans avant de me saluer. Je me trouvais à ça deux, je leur disais bonjour, ils me répondaient pas quoi. Voilà, ça c'est un peu pénible après. Je me dis que c'est plus une question relationnelle. Oui, voilà. Et puis après, dans les cuisiniers à gérer, parce qu'avec certains ça se passait bien, avec d'autres, ils avaient du mal. C'est comique, tu veux dire ? Ouais, ou second, parce que je suis jamais H24 au resto, ils avaient un peu de mal à recevoir des ordres, on va dire, d'une personne handicapée ou d'un amateur. On va mettre le curseur au milieu, mais. Voilà, bon là j'ai un peu ratiboisé, il aurait peut-être tombé plus profond, mais nous avons un fond d'artichaut, plus ou moins exploitable. Pour récompenser l'effort, c'est pas forcément la qualité. Donc maintenant qu'on en a fini avec cette bestiole, alors j'aurais fait une démo où je tournais tous les artichauts, là autant vous dire qu'on n'était même pas sûr de dîner. On va s'occuper des cèpes. Ah, le skier, non.
Non, non, rien du tout, les feuilles. Mais en fait, il n'y a pas de gaspillage. Enfin, il y a du gaspillage. Mais pour la simple et bonne raison que, contrairement aux feuilles qu'on mange d'habitude quand on se fait l'artichaut soi-même, là, on coupe vraiment juste la feuille, pas la partie charnue qui se trouve à la base de celle-ci. Donc on récupère vraiment l'intégralité de ce qui est mangeable dans l'artichaut. Alors après, si, vous pouvez mettre ça dans de l'eau et vous faire un bouillon détox bien dégueulasse, mais... Voilà, c'est pas mal. Ce que je vais faire, comme vous pouvez le voir, hop, ça a bien réduit. Il reste encore un peu de liquide. Je vais rajouter de la crème de cassis. Et tous les échalotes et le vin. Hein. Pardon ? Et tous les échalotes et le vin. Échalotes, vin, laurier, romarin. Nos artichocs. On va voir ce que ça donne en termes de cuisson. Je pense qu'on n'est pas encore. Ça cuit plus vite que je ne l'imaginais. C'est pas encore cuit, mais on n'est pas trop loin de la vérité. Là, je vais retirer la branche de romarin parce que je trouve que ça en a suffisamment de parfum. Donc, on va laisser comme ça. Donc, nos échalotes, ça continue. Je vais baisser, qu'elles puissent vraiment confier doucement. Donc là, j'ai une bonne ébullition. Maintenant, je mets un léger frémissement. Et nous avons nos cèpes. Alors, les cèpes, un champignon, ça se lave jamais. Hein. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec un truc tout mou, donc ça se frotte et on en coupe un petit peu le pied. Là, nous avons des cèpes. Hop. On va les couper en deux. Vous voulez m'en couper quelques-uns? Ah, on va changer un peu. Mais non. Je fais exprès parce qu'il est timide. Allez les gars. Vous mettez ici, vous les coupez juste en deux. Vous avez une planche pour deux. Non, mettez-vous là, tiens, vous allez leur montrer. Je suis avec vous, allez. Alors vous, je vais être obligé de vous laisser ici. Bon, vous aussi. Donc ça, on prend bien délicatement les cèpes. On va les disposer ici. Et donc, vous prenez un cèpe. Comment on fait alors? On a dit quoi? On détaille un peu le pied, on enlève un petit peu les parties noires. Alors attention, les doigts bien comme ça pour ne pas se les couper. Je vais bien la réduire, ça va être pas mal. Voilà, faire un petit tour, faites tout le tour. L'idée, c'est de limiter au maximum les pertes, sans que ce soit un joli shampoing comme ça. Parfait. Un petit peu juste ici aussi. Juste là. Super, et alors là, on se met comme ça. On va le couper dans ce sens-là. Alors bien au milieu pour avoir le... Voilà. Super! On peut l'applaudir. Allez. Tout bien, on peut également l'applaudir. Ouais, alors quand c'est jaune, si on enlève, parce que ça c'est pas bon, c'est pas grave. Donc on va ce qu'on va faire, on va même carrément bien tailler dans la... Quitte à ce qu'on en perde, c'est pas grave. Voilà, la céramique. Et là du coup, on va faire un truc un peu joli. On va le tourner comme ça. Pour arrondir un peu la bestiole. Voilà, et là tu peux le... Ok. Donc... Pépère, ça avance. On va le goûter, on va voir si c'est... Tu ouais. Alors, ça va, c'est pas... Donc là, bien évidemment, un bon cuisinier, ça goûte, parce que sinon on peut pas savoir ce qu'il en est en termes de saisonnement.
ça, c'est pas trop cher. On en pense quoi? C'est pas salé. Déjà. Donc maintenant, on va pouvoir un petit peu saler. Donc, comment on sale? Parce que je l'aurais mal montré tout à l'heure. On fait comment? Quand on est cuisinier. Ah, surtout pas! D'abord dans la main. Oui. Quand, voilà. On y va bien. Encore. Voilà, super. Et comme ça, parce que si on met le truc comme ça et que ça s'ouvre, on peut faire un peu n'importe quoi, on se prend pas bien le coup de vite. Donc on vient saler petit à petit, donc on va se trouver trois belles. Pardon ? C'est ça. Alors, sauf qu'en cuisine, quand c'est ton métier et que tu peux rien servir parce que t'as mis 3 fois le procès. Super. Et il y avait un autre truc, c'est que c'était un peu acide. Non, t'as pas trouvé ? Donc on va rajouter un peu de crème de caisse. Encore un peu, super, merci. En fait, c'est un kir, un échalote, ni plus ni moins. Voilà, donc on va les laisser compoter tranquillement. On en est où? Ils travaillent bien là, ça va? Super, donc ce qu'on va faire, c'est que alors, quand on travaille clair, il est clair. Donc au fur et à mesure, on débarrasse. En fait, il y a plus de place sur la planche. Voilà. Ça, on va le mettre là 2 secondes, on va vider. Alors les parures, on peut parfois les utiliser pour un bouillon, et on continue. Nos échalotes là, elles sont pas trop mal, je vais débarrasser. On va prendre une poêle. Bon, je vais vous faire bosser un peu. Allez, on change, changement d'équipe, vous êtes tous les deux. Donc, notre poêle là. Alors est-ce que c'est une poêle qui marche en induction? C'est magique, elle marche. Donc on va mettre assez fort et nous allons poêler les cèpes. A votre avis, on fait comment là pour poêler les cèpes? On met de l'huile, soit, mais encore. On va les poêler sur la plus grosse face comme ça. C'est une belle couleur, d'accord? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'il nous reste un petit peu d'oignon. Donc vous allez m'émincer un oignon. Donc, le minçage d'oignon, je vous le pré-prépare. On coupe le cul comme ça. Mais c'est important quand on émince un oignon, toujours couper à ras. Parce que sinon, il va se déliter au moment où on va le découper. Alors que là, ça maintient toutes les strates les unes avec les autres. Voilà. Donc, coupé en deux. Voilà, j'ai fait le maximum. Vous allez chacun faire une moitié. Vous savez émincer un oignon? Allez, montrez-moi. Bon, c'est l'heure. Et une autre planche aussi. Vous voulez vous mettre là-bas? Mmh. Allez. Alors, hop. Ciseler, pardon, un oignon, j'ai dit émincer. Ciseler, vous voyez? Ouais. Comment on fait? Alors d'abord, comment? Alors la partie cul, là, du coup, on la garde derrière, parce que si on coupe ici, on va être compliqué. On va prendre notre lame. Alors, on va se faciliter la tâche. On va cette partie-là, qui nous embête. On va inciser, sans toutefois aller jusqu'au bout, dans ce sens-là. Là. On va inciser verticalement. Ça vous dit quelque chose, ça? Et là, clac, 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 vous allez faire pour couper des tranches. En faisant gaffe aux doigts, hein. Ils sont sympas, mes amis. Je vais essayer de baisser les assiettes, d'accord? Voilà, c'est quasiment prêt, on va pouvoir dresser. Je vais te mettre un petit coup de mix à notre condiment échalote. Je vous mets tout ensemble, vous avez une louche ou pas? Oui, on peut bien. Parce qu'à la limite, vous pouvez aussi utiliser ça avec le bec versant, c'est pas mal. Faites en sorte que tout le monde puisse en avoir. J'ai juste oublié un petit truc tout à l'heure sur les cèpes. Peut-être un petit coup de vinaigre de Xérès. Poulet parfumé. Ça. Donc, nous avions un brin et 2 feuilles. Alors là, je le mixe légèrement. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir quelque chose qui peut nous
permet de faire des petites quenelles un peu plus compactes, ce qui est plus sympa. Ah, je vais avoir besoin de votre aide, il me faut une main. Qui me la prête? Vous venez? Allez, juste au-dessus du cul de poule, s'il vous plaît. C'est une belle couleur rubis, là. Ça gratte un peu, pardon. Les assiettes, alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer d'en étaler un maximum. On va vraiment essayer d'en mettre une bonne, regardez. On va faire une marche en avant. Alors, ça c'est propre, ça c'est pas propre. Ça c'est propre. On va faire des petits tas de trois assiettes. Il fait 25 degrés, donc bien froid, ça va faire du bien. On s'est dit en octobre. Si vous en voulez beaucoup, il faut être servi en premier. Parce qu'il y en aura moins dans celle d'en vous d'après. Donc on va vous montrer comment on dresse quand même. Donc voilà, on a nos volontés de sel. On va mettre un petit coup de four. On essaie bien avant. Mixeur plongeant. Vous en avez vous du condiment ou c'est on utilise ici pour tous? Vous n'avez pas fait des échelles au thon rouge? Non. Non. Juste pour savoir comment répartir. C'est vite fait, puis de toute manière ce sera mélangé par la suite.
on s'adapte. L'idée, c'est de le faire grossièrement. Ça vole. Échalotes. Un petit peu de jus comme ça. Clac. Notre poudre de cèpe séchée. Donc on achète des cèpes séchées pour les régler en poudre. Et voilà, c'est prêt. On se les passe, on y va. Vous allez m'en poser quelques-unes là et pendant ce temps, les autres peuvent remplir les assiettes. Qui seront vides. Vous m'en mettez 6 ou quoi ? Ça me fait un peu bosser. Génial. Alors, pas trop trop, hein, pour que tout le monde puisse en avoir. Voilà, ça peut être pas mal là. Et une fois que c'est servi, on va mettre des cuillères dedans et vous pourrez goûter parce que c'est bien de manger au moins un peu tiède. Attention, pousse bien rentrer le pouce, voilà. Alors c'est comme tout, l'idée c'est pas de se faire un doigt, donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, le reste de l'oignon on peut le passer dans autre chose, ou alors même ce qu'on peut faire. Il y a une autre technique qui marche bien. Quand il en reste comme ça, on met de côté, là on va juste enlever le cul de l'oignon. Pardon. Et là on va venir faire comme ça, on va couper grossièrement et on peut utiliser son couteau comme ça, comme un hachoir. Voilà, on va mettre avec le reste. Je vais enlever les petits morceaux d'artichaut que j'ai laissé dans le vide. Alors, hop. On réserve, très beau travail, bravo. Et votre collègue, alors ça donne quoi ? Elle s'en sort ? Magnifique. Elle est plus douée que vous, hein. Faites gaffe, elle va vous voler votre job. Et bon, on va réunir l'oignon ici avec celui-là. Super, on va juste débarrasser ici. Je trouve le truc qu'on a mis au départ. Parce que quand on part à la pêche, pour peu que ce soit un peu opaque, c'est vite un petit peu compliqué. Il me semble que j'en avais mis qu'une. Et alors, non, pas. Et il en reste là pour laisser faire les autres.
J'ai bien entendu, il n'y a pas que toi. C'est ce qu'il nous a dit. Et on en laissera deux pour la demoiselle. On est des gentlemen. Allez, au boulot, très bien disposé. Donc les chapeaux vers l'extérieur. Il est cassé celui-là. C'est pas grave, c'est bon quand même. On va le mettre comme ça. Super. Parfait. Donc là, comme tout à l'heure, on va tourner histoire de bien répartir. On va laisser cuire 2-3 minutes. Donc nous, on est parti à la pêche, on a tout retrouvé. On va rajouter, alors pareil, il ne faut pas saler avant. Ah mais c'est ma poudre de sel. Je suis en train de croire que c'est une épice, c'est parfait. Pas très mal, hein. Pas très mal. Donc je vais rajouter mon gorgonzola qui va à la fois nous apporter du crémeux et en même temps nous saler et nous relever la préparation. Ah si, ça y est, j'ai bien le goût de sel. Donc voilà. On va rajouter, pour avoir des forces, de la crème fleurette. Je vais être costaud, vous allez m'ouvrir ça. Et vous pouvez le vider directement, intégralement dans notre... C'est un potage, ça doit être réconfortant et régénérant. Alors c'est vrai que nous les cuisiniers, on dit toujours qu'on fout du gras de partout. C'est pas le cas, mais là c'est l'hiver, donc c'est normal. Et il faut savoir que le gras et l'alcool, c'est de la chimie, hein, sont les deux éléments qui retiennent les arômes. C'est pour ça que qu'on utilise les onguents et de l'alcool en parfumerie. Ça. Merci beaucoup. Donc ce qu'on va faire, là on est pas mal, on fouillote encore un peu. Je crois que je vais pouvoir vous renvoyer au boulot, parce que vous avez un buffet à arrêter. Merci beaucoup. Ah bah oui, merci beaucoup. Voilà. C'est pas grave. Donc là, on en a fini avec nos cèpes. Alors, contrairement aux idées reçues, la crème, ça peut parfaitement bouillir. C'est juste qu'il ne faut pas que ça bouge trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, ça peut trancher. Et quand, c'est-à-dire que ça fait des petites particules, ça caille. En fait, quand tel est le cas, c'est juste que la crème est déshydratée, il faut rajouter du liquide, de l'eau, et on remet un petit coup de mix et ça revient tout comme avant. Donc, on va réserver les cèpes. On va pouvoir éteindre notre préparation. Quand j'ai commencé la cuisine, j'étais ultra bordélique en cuisine. Alors déformation poissonnelle, c'est qu'on finit par être un peu plus maniaque. Je ne supporte plus une cuisine qui part dans tous les sens. Et donc pour terminer, on va... nettoyer tout ça. Et on va mixer notre velouté. Alors je pense qu'on va prendre ceci, ce qui est très très bien. Donc c'est ça, ce qu'on appelle un mixeur plongeant en girafe. À cause de son nom. Alors on va se trouver une fouille. Alors, je vous demanderai à tous de reculer d'un pas si jamais. Vous allez m'en vouloir. Normalement, ça doit le faire. Hein, mais... Alors, ça va vraiment avoir la texture de crème, ça doit être très onctueux.
On a la limite de la purée. Pas trop besoin de bouger dedans, on crée un flux donc ça vient tout seul. Ce que je vais faire pour vraiment la lisser, est-ce que vous pourriez me sortir un petit cul de poule s'il vous plaît? Merci. Quoi? On va la terminer au blender. Parce que si j'avais mis directement avec les gros morceaux, parfois dans les blenders ça marche pas toujours super bien, ça dépend du blender. Pourquoi faut toujours bien se faire couvrir dans un blender? Parce que quand on met un produit chaud, en plus on a de la vapeur, donc ça facilite d'autant plus l'éjection. Ça, c'est très bien, c'est un bol en verre. Ce sont les meilleurs. Trop remplir. Alors, il manque quoi? Il manque deux choses. Glycelle. Oui. Et poivre. Bah voilà. Donc, nous allons remettre un petit coup parce que ça fait du bien aux oreilles. Et je fais quoi du tout? Et là, on va pas s'embêter parce qu'il en manque d'autres. Thank you.
un velouté d'artichaut, gorgonzola, avec des cèpes rôties et un condiment à base d'échalotes, de vin rouge et de crème de cassis. Ouais. Donc le velouté, on a tourné des fonds d'artichaut, qu'on a fait revenir avec de l'oignon et de l'ail, légèrement, sans coloration. Ensuite, on a mouillé ça avec du fond blanc, donc un bouillon de volaille. On a laissé cuire jusqu'à ce que le couteau se plante aisément dans le cube d'artichaut. Et ensuite, on a rajouté du gorgonzola et de la crème. On a mis une ébullition, on a mixé le tout et c'était prêt. Ouais. Par ailleurs, on a émincé l'échalote, on l'a fait suer, donc revenir sans coloration. On a ensuite rajouté le vin rouge qu'on a flambé. Une fois que ça a flambé, on a rajouté de la crème de cassis, du laurier et du romarin. On a laissé cuire jusqu'à ce que les échalotes soient cuites, mais restent un petit peu fermes sous la dent, qu'on ait quand même de la texture. On les a égouttées pour bien enlever le surplus de jus. On a rectifié l'assaisonnement. On les a mixées grossièrement. On a réutilisé le jus aussi pour la mise en place. Par ailleurs, on avait de la poudre de cèpes et des cèpes frais. Donc les cèpes frais, on les a coupés en deux, on les a fait cuire majoritairement côté plane sur la poêle avec un petit peu d'huile. On les a retournés 2 minutes, on a déglacé avec un peu de vinaigre de xérès, ensuite on a monté tout ça, donc le velouté au fond de l'assiette, le cèpe rôti, le petit condiment, exactement, la poudre, et ensuite un petit peu de sauce à base de vin rouge et de crème de cassis. Ouais. Voilà. Et vous, ça fait longtemps que vous faites ça? Vous faites des démonstrations un peu partout? Bah, moi, la cuisine, ça fait 10 ans que je fais ça. Je fais beaucoup de démonstrations aussi dans le cadre de l'emploi des personnes handicapées parce que je fais pas mal d'interventions étant moi-même handicapé et étant cuisinier, ça permet de faire de la démonstration par l'exemple. Et oui, voilà, c'est depuis une petite dizaine d'années, c'est un truc que je fais souvent, alors pas H24 parce que j'ai mes restaurants par ailleurs, mais régulièrement parce que je pense qu'il y a déjà c'est intéressant de partager sa passion de la cuisine et puis je pense que c'est important aussi de sensibiliser les gens à l'emploi des personnes handicapées. Vous avez combien de cuisines? J'ai deux restaurants, un dans le Vieux-Lyon, ouais. Et l'autre à proximité de la place Bellecour. Ce sont des petits bistrots, on fait de la cuisine de saison, majoritairement bio, on essaye d'être simple, voilà quoi. Donc c'est votre domaine depuis jeune? Ça fait 10 ans, entre-temps j'ai fait des études, puis suite à mes concours cuisine à la télé. Oui, j'ai vu à la télé, même sur YouTube, il y a beaucoup de... Pourquoi pas en faire un métier? Depuis c'est devenu mon métier, voilà, depuis 2009-2010, c'est ce que je fais, et j'en suis ravi. Et ça vous dérange pas trop en fait, la main, c'est... parce que j'ai regardé la vidéo, en fait c'est de naissance en fait. Ma main c'est de naissance, donc oui, non, ça me dérange pas parce que c'est pas un truc qu'on m'a enlevé, c'est un truc que j'ai appris à faire avec ou plutôt sans, donc non, c'est...